Allez, on y va. C'est parti. Hop, raté. Et hop. Oh, presque. Raté. Ouais, non. J'y arrive pas. Oh, bon, je vais essayer autre chose. Allez, tiens, allez, hop, je vais essayer ça. Attention, hop, hop. Hop, raté. On va recommencer. Hop, raté. Je fais des challenges, Mamounette. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des challenges. Le Flip Bottle Challenge, que je ne sais pas faire. Il y a du bruit de partout. Voilà. Et j'essayais aussi de mettre ça dedans. Non, mais Papounet, tu vas tout casser. Alors, c'est bien de se lancer des petits défis, des petits challenges dans la vie, Papounet. Mais tu sais quoi? Non, je sais pas. Jockey Preziosi, ils ont sorti des petites boîtes. Ça s'appelle le Cha-Cha-Cha Challenge. On va découvrir ça tout de suite après le générique. Et tu vas en faire des petits challenges qui risquent de ne pas tout casser dans ma maison. Oh, c'est génial, ça, tu comptes. Challenge, un, raté, un, raté, un, raté. Chemi Bunny Challenge. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Papounet, qu'est-ce que tu fais? Chemi Bunny Challenge. Non, tu te goinfres, c'est un prétexte, Papounet. C'est moi, ouais, bah c'est super bon. Bon, Papounet, moi je te propose aujourd'hui des challenges avec les petites boîtes. Cha-cha-cha challenge. Regardez, ce sont des petites boîtes à l'intérieur. Alors on peut l'ouvrir, hein. C'est écrit Do Not Open, mais c'est une petite blague. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Jockey Preziosi qui distribue ça, Papounet. Oh, regarde, petite boîte, à l'intérieur on a plusieurs éléments. Alors, il y a un petit sachet avec un caca. Mais Mamounet. Un caca, des petits crochets. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite on a, oh, je sais pas. Oh, c'est quoi, une canne à pêche? Une canne à pêche. Et ensuite, un WC. Des toilettes? Je sais pas. On a également une petite carte. Ah bah alors là, c'est le petit challenge qu'il va falloir réaliser, Papounet. Alors il y a 3 niveaux de difficulté. On va soit utiliser juste la canne avec le caca et les WC. Il va falloir le mettre dans le WC. Ensuite, on utilise la canne, le caca et il va falloir fermer la cuvette des toilettes. Et ensuite, alors le niveau expert, hein, niveau master, ils disent, le plus difficile, on rajoute un deuxième crochet. Et là, il va falloir mettre le caca dans le WC. Bon, mais Papounet, ça a l'air rigolo. Mamounette, ça a l'air génial. Donc, dans chaque boîte, il y a un challenge différent à réaliser. Mais on n'a pas que ça. On a aussi la liste des challenges qui existent. Alors, il n'y a pas tout, mais ça a l'air rigolo. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Ah oui, d'accord. Okay. Et regarde derrière, Mamounette, il y en a un. On voit une fesse qui fait prout. Oui, c'est vrai. Donc, on a ça. On a aussi de quoi décorer nos petits, notre WC, hein, en l'occurrence. C'est sympa. Donc, c'est, hop, un autocollant, tu vois. Ouais. Je vais le coller sur les toilettes, comme ceci, voilà, voilà. Et du coup, hop, c'est plus mignon. Ah, c'est sympa, ils sont colorés, ils sont décorés. Mignon, je suis impressionné. Ça fait un petit peu peur. Ça s'ouvre, il y a la cuvette, hein, avec l'abattant, voilà, on a tout. On a ici, comme tu as dit, la petite carte qui nous résume la difficulté du challenge. Donc, on a le niveau vert, niveau orange, niveau rouge. Si on n'est pas très fort, on va s'arrêter au niveau vert. Si on est un peu plus fort orange, on est des Master of the Universe. Et ben, c'est on va le niveau rouge. Voilà, et puis on a toujours un petit autocollant qu'on peut collectionner. Vous avez vu, là, c'est le challenge numéro 8, regardez. Ouais, ok. Voilà. Et il y a tout ça, je vous ai dit. Donc là, on les coche derrière quand on les a. Ok. On en découvre combien aujourd'hui, Mamounette, des challenges? Il va y en avoir 4, regarde, il y a 3 autres petites boîtes. J'espère qu'on n'aura pas de double, les petits copains et copines, parce que quand on achète, on ne sait absolument pas quel challenge on va avoir. C'est la chance, la surprise. Alors, on y va. Mamounette, je vais m'adonner à ce challenge. Donc là, on a dit qu'on va prendre les crottes. On va aller regarder les crottes, ça y est, on va prendre les crottes. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Hop, c'est parti. Regarde, Mamounette, on a une belle crotte là. Oh là là, là, il a bien mangé, hein, le monsieur qui a fait ça. Donc, un petit caca avec un petit crochet pour pouvoir l'accrocher sur la canne à pêche. On a une langue. Attends, non, je l'ai tombé. Oui, c'est de la diarrhée. Regardez celle-ci, ok. Et on a une toute petite crotte de bébé. Oh, une bébé caca. Est-ce que tu arrives, Mamounette? Oui. Ah, allez. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des crottes dans les toilettes et je vais devoir les pêcher. Ouais, c'est bon, voilà. C'est comme ça. C'est pas toi qui les mets, tu les pêches. Je les pêche. Donc je les mets dedans, tu vois, voilà. Et alors là, le challenge des petits couettes copines, ça va être d'attraper les crottes. Donc, on regarde. Challenge numéro 1, le vert, il suffit d'attraper le caca avec la canne à pêche telle qu'elle. On y va? On va voir si je suis de niveau 1. On y va, j'ouvre. Regardez, petits couettes copines, j'y vais, donc j'ai ma canne à pêche et là je vais essayer d'attraper une crotte. Est-ce que tu penses que je vais y arriver, maman? Mais oui, niveau vert. Voilà. Bravo! Ouais.
Une première crotte. Super. Une... Tu sais que c'est pas facile, hein. Une deuxième crotte. Ouais. Et alors la plus dure, oh là là. La plus dure, elle est tombée, donc je suis même pas sûr d'y arriver. Oh, une troisième crotte. Super, bravo. Bon. Ensuite, le deuxième challenge, ma monnette, je te montre. Il faut les replacer dedans et refermer l'abattant. D'accord, ouais, ça va. Alors on y va. Je prends la première, les petits croquettes copines, et je la place dedans. C'est bizarre, hein. D'habitude, je fais pas comme ça quand je mets des crottes dans les toilettes. Je m'assois, je pousse très fort, et en général, eh ben, elles tombent toutes seules. C'est dégoûtant. Allez, je mets la deuxième crotte. Elles me font rire, se rire de leur tête. Elles sont contentes de vivre, hein, les crottes. Ouais, elles sont contentes. C'est des crottes joyeuses. J'ai la crotte joyeuse. Allez, on y va. Faut pas toucher l'abattant, sinon c'est dégoûtant. Hein. Voilà. T'imagines, on aurait vraiment de la diarrhée, ce serait impossible. Non. Alors, la troisième, alors c'est pas facile parce qu'il faut l'attraper. On n'a pas le droit de céder de ses mains, les petits couilles de copine. Et hop là! Je mets dedans. Hop, allez, allez, voilà. Mais là, le plus dur, c'est qu'il faut refermer l'abattant avec ça. Alors, on y va. J'ai pas le droit. Ouais, ma monnette! Niveau 2 atteint! Niveau 2 atteint. Et maintenant, le niveau 3, ma monnette, il va falloir attraper les crottes qui sont dedans, mais avec un deuxième crochet. Donc, regardez les petits couilles de copine, je mets un deuxième crochet comme ceci. Ok. Maintenant, il va falloir que j'attrape les crottes. Alors, okay. C'est parti, j'y vais. Alors, la plus grosse crotte, je pense que sans problème, je l'ai. Niveau master! Master! Mais alors, les autres, ma monnette, c'est impossible, j'ai fait tomber mon. Oh non! Faut que je mette les doigts. Bon, ben j'ai perdu le niveau master. Oui, mais bon, à moitié. Quand même, c'est pas mal. Bon, j'aime bien ces petits challenges. Sympa. Ouais, on peut jouer en solo et avec des amis. Tout à fait. On se passe la canne à pêche et puis c'est celui qui va le plus loin. Évidemment. On peut jouer tout seul, s'entraîner. Bon, c'est pas mal. Hein. Bon, allez, je mets la canne à pêche dedans. Hop, premier challenge. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé, ma monnette. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Allez, deuxième challenge, j'ai petit copain de copine. Hop. On va découvrir ce que c'est. Alors, ça se présente comme ceci. Je vais laisser ma monnette découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le petit dépliant, les petits autocollants pour décorer, ok. Et là, on a le challenge. J'ai l'impression qu'on va faire du golf. Ah ouais, c'est possible. À l'intérieur, hein. Tu as quoi? Oui, ça c'est le petit drapeau. Ouais, oh, il y a plein de choses, ma monnette. Ok. Le petit trou, bah oui, bien sûr, ça c'est le golf. Ah, ça, ma monnette, c'est pas le drapeau, hein, c'est le club de golf. Ah, c'est avec ça que tu vas tirer. Oui, oui, oui. Et puis, on a les petites billes. Bah, c'est la balle. Ça, c'est la rampe. Oui, c'est la rampe. Je t'explique, ma monnette. Regardez bien les petits copines. Moi, j'ai tout compris, rien qu'en regardant. Donc, en fait, ici, nous avons le trou avec le petit drapeau qui tombe lorsque la balle rentre dans le trou. Ok. Bien fait. Ici, nous avons une rampe. On dirait une langue. Regardez. Hop, je la connecte. Voilà. Donc là, il va falloir faire monter la balle de golf qui est ici. Nous allons lui mettre tout de suite des yeux, hein, à cet objet. Comme ça, il aura l'air d'une bête. Voilà. Je lui place un œil ici. Tchouk. Voilà. Et je lui place le deuxième œil. Il y a la deuxième œil. Voilà. Et ça fait ce bruit-là, les yeux. Hein. D'accord. Fait, moi, les miens, quand ils s'ouvrent le matin, ils font ce bruit-là. Ils font... Est-ce que j'ai... Oh là là, j'ai mis n'importe comment. Alors regardez bien, la tête qui se paye, franchement. C'est rigolo. Et comme ça. Bon alors, les trois niveaux de défi, regardez, je vous montre. Le premier, on y va avec le doigt, on essaye de mettre la bille. Le niveau orange, on y va avec le petit club de golf. Ok, pareil, hein, même principe, mettre la bille. Et le troisième, le niveau master, il faut jouer avec la quille comme si c'était une bille de une quille de billard. C'est ça, on dit une quille. Elle vit comme une boule à flipper. Et voilà, et là, pareil, il faut mettre la bille. Ok. Bon, on y va. Alors, les petits copains, les petites copains. J'ai oublié les petites copines en passage. Donc, je rattrape ça en disant les petites copines, comme ça fait 2 et 2. La et on est égal. Regarde, c'est le challenge numéro 13. Ok. Voilà. Donc, tu sais pourquoi, ma monnette, on a ce genre de choses là sur le club? Je ne sais pas. Pour mettre le doigt. Et donc on va jouer comme ça. Mais alors le premier niveau c'est juste avec les doigts. Ouais. Donc on y va avec petit copain, petite copine, j'y vais. Est-ce que je vais arriver? Non mais attends, mettre... bah colle la bille aussi au bord. Comme c'est... Espèce de tricheur. Est-ce que je vais y a... Non mais non. Là un tout petit peu, je sais pas. Oui, mais notre table elle est pas à droite, regarde. Regarde. Alors en fait, regarde. Pas droit. Oh. Mais c'est pas grave. Hop. Raté. Hop. Oh, presque. J'ai gagné. Non, j'ai un peu triché. Un peu triché. Bon, je recommence. Non, mais je vais quand même faire le premier niveau quand même.
trop dur, Papounet, tu n'y arrives pas. Attends, attends, regarde. J'ai compris. Ah. En fait, dessous, on a un petit trou qui permet de faire... stabiliser la bille. Voilà. Voilà. Ah, j'ai compris. Et donc là, on va pouvoir viser. Attention. Hop. Pas mieux. T'es nul. Hop. Voilà, j'y suis arrivé, Papounet. Niveau 1. Bon. Deuxième niveau, il faut utiliser le club de golf avec ton doigt. Allez, c'est parti. Bah alors là, tu peux te copier. Note avec gros doigt, mais ça passe. Ah, mais hey, ça se manipule vachement bien. Hein. Ah, attention, on y va. 1, 2, 3. Nul. 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 J'ai trop de force, ma mounette. Non, mais attends. Bah oui, bah oui, bah oui. Ah, bah oui. C'est de tricheur. Bon. Ouais, c'est vrai qu'on peut définir sa distance en même temps. Oui, tout à fait. Et le troisième, c'est avec la quille. Et alors là, on est mal barré, je vous le dis, moi. Donc, je sais pas à quoi ça sert, ça, ma mounette. Non, c'est pas grave. Peut-être à mettre là, pour pouvoir... Non, non, faut jouer vraiment comme une quille. Je sais pas. Ou alors peut-être... Guider. Je n'ai pas compris. Ça va être compliqué, là. Tu joues comme au baseball, c'est pas ça, le troisième. C'est ça. Oh là là, non. Ouh là là, alors là, c'est dur. Alors, le troisième, faut vraiment être master. Hein. Moi, je vous le dis. Non, un au billard. Est-ce que au billard? Vraiment? Oui. Faut jouer comme ça? Oui. Mais c'est encore pire. Regarde la carte, elle est devant toi. Oh, ah oui, comme au billard. Ah oui, comme au billard. J'étais fort avant le billard, ma mère. T'as bien fait de nous dire que t'étais fort avant. Bah ouais, bah là, là. Bah allez, bravo quand même. J'ai mérité, ah, pas mal. Bon, un petit coup de copine, ça passe là. Pas facile. Faut pas parler la bouche pleine normalement, ouais, Papounet, c'est pas très poli. En plus, ça, on peut s'étouffer. Je sais pas quoi faire, quoi. Non, c'est pas. Bon, je mis money challenge. On l'a pas compris. C'est normal. Un petit coup de copine, j'avale et puis je vous montre le troisième. Tiens, ma mounette. Alors, le troisième challenge, on va le découvrir ensemble, comment ça s'ouvre. Voilà, à l'intérieur, oulala, qu'est-ce qu'on a? Une toupie. Une toupie. Une toupie et une sorte de petite rampe. Oh, faut le mettre sur son doigt. Oula, je sens que ça va être difficile. Oulala. Ouh, je sens que ça va être difficile. Oula, ça n'a pas l'air simple. Hop, 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 hop. J'ai failli tout casser. Tiens, ma mounette. Et alors, les défis, regardez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier niveau, il faut faire tenir la toupie sur le doigt. Le deuxième niveau, il faut faire basculer la toupie de la position normale jusque sur le bout du doigt. Oh là là. Et le niveau master, il faut la faire sauter en l'air et la rattraper avec le bout du doigt. Mmh, à mon avis. Ma mounette, j'ai compris à quoi ça sert. Ça sert à quoi? Regarde, ça sert à guider. Ah, oui. Ouais, bon. Si. De toute façon, t'as un tricheur. Non, tu guides comme ça, regarde. Faut pas faire des challenges avec Papounet, vous avez vu, il triche. Non, je triche pas. Allez, c'est parti. Alors là, on va agrémenter toujours avec des petits autocollants. La rampe. Donc, j'agrémente la rampe. Et le petit personnage, la petite toupie. Ouais. Alors, la rampe, eh ben, je pense que c'est dans ce sens. Non, c'est comme ça. Oui, ok. Oui. Alors, on va coller. Et là, elle va être tout de suite plus jolie. Elle va être métallique, ma minette. Regarde. Pas droite. Pas droite, surtout. Ouais, je l'ai vue direct. Eh, ma monnette, je... Allez, Papounet. C'est déjà un challenge. Allez, Papounet. Un premier challenge. Coller droit. Collant droit. Ah, c'est pas droit. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, voilà, hop, c'est droit. Ouais, c'est bon. Alors, et ensuite, bah tiens, je te le donne, je vais agrémenter ma petite toupie. Hein. Voilà, donc là, c'est quoi? Ça ressemble à une rampe avec une petite banane. Et c'est métallique. Oh, mais attends, mais il faut avoir des énormes doigts. Comme moi. Oh là là, c'est dur. Peut-être qu'en le faisant avec le pouce, c'est plus facile. Ah oui. Ah bah oui. Tu arrives? Ouais, c'est bon. Ok. Bon. Donc là, on a la rampe. Voilà. Il y a une partie qui est comme ça là. Meuble, mamounette. Parce elle que est cassée. Je mets une heure à mettre ce autocollant. En plus, c'est flou. C'est génial. Allez, vas-y. Alors, j'ai mis déjà le premier petit autocollant qui est là. Maintenant, je vais mettre le dos. Il est à l'envers, c'est normal? Ouais, non, pas du tout. Ah, donc... C'est quoi, un petit singe? C'est un petit singe. Mmh. Un petit chimpanzé, j'ai envie. C'est quoi, tu m'as donné envie de manger des chamallows là? Mange des chamallows, ma Non, t'en as mis de partout. Non, Papounet, non, c'est dégoûtant. Je rate tous mes challenges. Enfin, manger, hein. Je rate tous mes challenges, ma mounette. Oh, c'est pas le meilleur. Hein. C'est vrai? Mmh. Oh, j'aime bien. Hein. Mmh. Hop, voilà. Bon, bah, c'est fait. Alors attends, je fais place. Hein. On pourrait faire un challenge aussi où il faut faire la plus grande tour du monde de chamallows. Voilà, c'est 3 chamallows, ça tombe. En fait, on peut se lancer plein de défis, plein de choses, plein d'objets du quotidien. Plein. Mais bon, vraiment, challenge, ça vous donne des idées, c'est super. Il y a tout ce qu'il faut surtout. Bon, allez, on y va. Donc, mamounette,
On y va pour le défi numéro 2. Regarde, tu vois, c'est le numéro 2. Ok. Voilà. Hop, on est en train de manger, hein. Vas-y, bon appétit. Donc là, petit comic copine, il va falloir mettre ça sur son doigt. Premier challenge, c'est faire tourner la toupie, comme ça, dessus, sans la faire tomber. Pendant un certain temps, on va dire une seconde. 2, 10. 10. C'est parti. 5. 5, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième challenge, il va falloir relever. Pas faire comme ça du tout. Attends, le deuxième challenge, ma mounette. Oh, vraiment relever ou c'est... Regarde. C'est... Faut juste le faire tenir sur le bout du doigt. Ah. Je sais pas, regarde. Ah, tu as raison. Tu as raison. Là, la surface est grande. Là, la surface est petite. Ah ouais, parce que c'est trop dur. Je pense que c'est impossible. Combien de secondes? 5. Une, ça compte. Ouais, c'est pas mal. Je réessaye, petit coïc copier. Ah oui, là, c'est dur. Même en allant tout doucement, en essayant de tricher, il n'y arrive pas. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, ma mounette. Bravo, c'est bien. C'est arrivé. Et c'est, les jouets sont solides. Hein. Non, ça fonctionne pas. Et ensuite, troisième challenge, il va falloir le faire sauter. Regardez, petit comic copine, il est ici le challenge. C'est-à-dire qu'on va le mettre, cette toupie, on va la mettre sur la partie, la surface la moins large. Et puis, il va falloir faire sauter et récupérer la toupie dessus. Autant dire... C'est raté. Facile. Allez, on y va. Attends, mon bonnet, je me mets un peu plus près. Il faut s'entraîner aussi hein, pour réussir les choses comme ça. Oh, presque. Presque. Impossible. Je vais y arriver. Trop dur. Je sens que je suis pas loin. Franchement, je pense qu'avec un peu d'entraînement, il y a moyen. Parce que ça retombe dessus. Hein. Là, ça tombe carrément. Mais... Allez, j'essaie une dernière fois. Pas, ma je suis pas un master, ma mounette. Non, tu n'es pas un master. Il reste un quatrième challenge à réaliser. Tiens, vas-y. Mounette. Alors, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je sais pas, qu'est-ce que mystère, c'est. Mystère. Oh, il y a une tige, il y a une balle. Oh, on dirait un bilboquet, papounet. C'est vrai? Ouais, tu ça me fait penser à ça. Un bilboquet. Dans la boîte, il y a les petits autocollants pour décorer. Alors, un bilboquet, les petits couettes copines, est-ce que vous savez ce que c'est? Ben, ça ressemble un peu. Ouais, ça y ressemble beaucoup, ma mounette. C'est un bilboquet un petit peu... Non, t'es à l'envers, là. Ah, pardon. C'est un bilboquet, mais sous forme de ballon basket. D'accord. Je t'explique. Regardez, nous avons, c'est le challenge numéro 3 voilà. Qu'il va falloir réaliser. Est-ce que tu veux l'expliquer ou je l'explique? Non, vas-y, parce que j'ai pas compris là. Oh, bah, c'est très simple. Alors, pareil, hein, on a de quoi agrémenter tout ça. Bon, on va pas le faire, on a compris comment ça fonctionnait. Donc, je vous explique. Ici, nous avons un panier de basket. Oui. Ici, nous avons un ballon de basket. Oui. Qui fait la tronche. Un peu, ça doit être le copain. C'est la même famille, tu vois, ma mounette. Que la balle de boule de bowling, mais n'importe quoi, que la balle de golf. Ok. Vraiment pas content. Et donc il va falloir mettre la balle dans le panier. Mm-hmm. Pour pouvoir la mettre, il va falloir faire des mouvements comme ça. Mm-hmm. Ok. Ici on a une corde qui a des nœuds. Ces nœuds, tu vois, ils sont là, oui. Là, un autre là. Ça définit la longueur de la corde. La longueur. Donc il suffit de déconnecter ici, ouais. Comme ceci. Tac. Et on va connecter un nœud plus long, tu vois, comme. Rien comme je vois absolument pas ce que je fais comme ceci. Voilà. Nous aussi on voit rien. Et là c'est plus grand. Ok. Vous avez compris le concept. Oui. Donc moi je vais commencer par le nœud le plus court parce que ça c'est le challenge numéro 1. D'accord. Tac. Je mets le nœud. Regardez, vous avez ici premier nœud, c'est à l'endroit ou à l'envers? À l'envers, bien sûr, comme normal. Tout ce que tu montres. Normal. Premier challenge, premier nœud, deuxième challenge, deuxième nœud. Très facile. Allez, c'est parti. Donc, j'ai droit à combien de coups? Je sais pas. 3. Cela, ça a l'air simple. Allez, 1, 2, 3. Je l'ai pas fait, il compte pas. Il compte pas. Hein. On dirait les gamins. Ah mince. Ah nul. Zéro. Et je l'ai vu que tu avais fait là. J'arrive même pas à faire le premier. Moi. Oh, hey, Dabrushka! Busca vida! J'y suis arrivé. N'importe quoi. Alors, hop! Hey. Hey, bien vu! Une fois qu'on a compris un peu le... Non mais attends, le cirque du soleil, quoi! Bon, j'y arrive. Le 1, j'y arrive. Allez, je passe au niveau plus difficile, c'est-à-dire que je déconnecte mon nœud. Le niveau 2. Et je le mets ici. Alors, je sens pas. Je sens pas non plus. Hop, voilà. Tac, c'est bon. T'es prête, ma mounette? Bah, moi, je suis prête, hein. Allez, je vais, hop, attraper ça et... 1, 2, 3. Ouah, purée.
pour vous montrer que c'était pas de la chance. C'était de la chance. Ouais. Alors là, on va faire la dernière. Dernier nœud, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Niveau expert master of the universe, c'est parti. Hop, voilà. Je prends du recul, ma mounette. Hein. Je crois que je l'ai pris dans la tête. Attends, ma mounette. C'est impossible. Ah, presque. Je vais être master. J'y arriverai. Ça va te mettre dans la tronche. Mais tu sais pas où la mettre cette main, t'es comme ça, t'es... Ah, j'étais... Vous avez du temps les petits Covid copines, hein, parce que... J'arrêterai pas tant que j'y serai pas arrivé. Je vais être master. Ah, presque. Ah. Ah. Hey, les challenges sont pas si faciles que ça. Oh, j'ai compris, regarde. Ça va durer 1000 ans. On est à 50 minutes de vidéo. Popounette est toujours pas arrivé. Ouh. Et après, on peut combiner, vous voyez, on peut combiner les challenges en faisant des trucs n'importe comment. Je fais tomber ma mounette. Ouah, j'ai adoré. Ben ouais, c'est trop bien, c'est challenge. Moi je pense que j'ai mérité un chamallow. Oui, tu as le droit. Bravo Papounet, nous on a adoré. Vous avez très bien compris ce que Papounet vient de dire parce qu'il a dit des choses essentielles. C'est très clair et intelligible, non? Bon, les petits copines, sachez que tout ça, vous pouvez le retrouver en magasin. Vous faites gros bisous, likez, partagez, commentez. On remercie très fort Jackie Prechesi de nous les avoir envoyés. Comme ça, ça nous permet de les découvrir et de vous les faire découvrir. Manger des chamallows. Allez, les petits copines, gros bisous, à très bientôt. Une prochaine challenge, ma mounette, ne pas avoir de crise de foie après 5 paquets de chamallows.